bonjour à tous. Donc, c'est une première pour moi. Je vais vous faire un haul du magasin Action, donc, qui a ouvert à Strasbourg jeudi, donc il y a 2 jours exactement. Alors, pour celles et ceux qui vont me demander où il se situe, alors il est dans la zone de Vandenheim, à côté du magasin Nénuphar. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une animalerie. Sinon, il y a Electro-Dépôt aussi. Voilà, c'est plutôt dans la partie Lampertheim, mais ça fait partie de la zone de Vandenheim. Voilà pour la petite présentation. Alors, le magasin, il a ouvert jeudi matin, et il est vrai que ce matin, donc c'était le premier samedi d'ouverture, le premier week-end. Donc, nous y sommes allés à l'ouverture à 9 h, et il y avait énormément de monde. Je me suis demandé ce qui se passait exactement. Donc, je pense que là, dans les prochains jours, ça risque d'être assez compliqué. Si vous voulez y aller tranquillement, ou alors peut-être éventuellement plus en semaine, ça ouvre à 9 h du matin. Donc voilà. Écoutez, je vais vous présenter les petites choses que je me suis achetées. Alors, on va commencer. Donc, je me suis acheté une petite décoration. Enfin, petite, c'est plutôt quand même assez grand. Donc voilà, c'est en bois. Vous voyez, donc on a un petit support. Alors, vous avez un côté qui est déjà pré-écrit, mais en fait, ce qui est sympa, c'est que derrière, en fait, il est vierge. Donc, avec une craie, vous pouvez effectivement écrire votre petit message pour les fêtes de Noël. Et donc, ça, en fait, eh bien, ça coûte 98 centimes. Donc, ça, c'est super sympa. Ça peut faire une petite déco pour Noël. D'ailleurs, je vais bientôt commencer à décorer mon appartement. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Nous allons toujours continuer dans l'ambiance de Noël. Alors, je me suis acheté donc une petite boîte en tissu. On va pouvoir ranger, écoutez, plein de choses. Hein. Ça peut faire bijoux. Ça va pouvoir faire aussi éventuellement peut-être une petite boîte à gâteaux de Noël. Vous pouvez également tout simplement l'acheter et puis la garnir et puis l'offrir à vos amis, à vos proches. Donc après, vous avez également le petit couvercle qui va avec. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, le couvercle est très très beau, moi je trouve. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis après vous voyez, ça se ferme. Et vous avez une jolie petite boîte de décoration. Et donc cette petite boîte en fait, eh bien, elle coûte 99 centimes. Donc autant vous dire que quand je l'ai vue, je l'ai pris de suite. Parce que je la trouve vraiment très très belle. Toujours dans l'ambiance de Noël, comme j'ai prochainement une soirée dont le dress code est un petit peu kitsch, Noël, même moche en fait. C'est une soirée dont je vous parlerai prochainement, qui s'appelle la soirée en fait des pulls moches de Noël. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, si vous tapez hashtag pulls moches Strasbourg, vous allez avoir plein plein de photos des participantes et participants. Ça va être très très kitsch. Vous savez, c'est une soirée où on va devoir mettre des pulls, ces pulls horribles de Noël avec le Père Noël et puis j'en passe et des meilleurs. Donc je me suis acheté un pull qui est très très laid. Donc en fait, plus il est laid, plus j'ai des chances de gagner. Donc je pense que je suis peut-être bien placé. Et puis pour le mettre avec le pull, ben j'ai trouvé ces lunettes. Alors vous allez sûrement me dire qu'elles sont vraiment très très laides. Ouais, je vous le confirme, elles sont trop simplement très laides. Mais voilà, c'est kitsch, c'est rigolo. Donc ces lunettes sont à 99 centimes. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas rigoler. Voilà, donc vous voyez, je pense qu'avec le pull vert horrible, parfait. La Fashion Week n'a qu'à bien se tenir. Donc 99 centimes, les petites lunettes. Toujours dans l'ambiance de Noël, comme j'ai prochainement une soirée dont le dress code est un petit peu kitsch, Noël, même moche en fait. C'est une soirée dont je vous parlerai prochainement, qui s'appelle la soirée en fait des pulls moches de Noël. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, si vous tapez hashtag pulls moches Strasbourg, vous allez avoir plein plein de photos des participantes et participants. Ça va être très très kitsch, vous savez, c'est une soirée où on va devoir mettre des pulls, ces pulls horribles de Noël avec le Père Noël et puis j'en passe et des meilleurs. Donc je me suis acheté un pull qui est très très laid. Donc en fait, plus il est laid, plus j'ai des chances de gagner. Donc je pense que je suis peut-être bien placé. Et puis pour le mettre avec le pull, ben, j'ai trouvé ces lunettes. Alors vous allez sûrement me dire qu'elles sont vraiment très très laides. Ouais, je vous le confirme, elles sont trop simplement très laides. Mais voilà, c'est kitsch, c'est rigolo. Donc ces lunettes sont à 99 centimes. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas rigoler. Voilà, donc vous voyez, je pense qu'avec le pull vert horrible, parfait.
La Fashion Week n'a qu'à bien se tenir. Donc 99 centimes, les petites lunettes. Et puis pour finir dans la catégorie Noël, donc je me suis acheté cette petite guirlande. Donc de 10 petites boules lumineuses pour Noël. Et donc ça c'est sympa, c'est qu'en fait elle fonctionne avec une petite pile. Donc ça c'est bien, ça peut toujours servir pour diverses raisons d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai préféré prendre avec des piles, comme ça ne sait-on jamais. Donc vous avez une petite boîte qui est plutôt sympa d'ailleurs, c'est pratique. Et puis donc vous voyez en fait, hein, avec une petite pile qui est là, même deux, pardon, excusez-moi, avec deux petites piles. Donc vous voyez, ça sert toujours, ça c'est sympa. Et puis bah écoutez, ça coûtait donc 1,99€. Donc apparemment, ça serait multicolore. Ah, donc ça va être sympa. Ah oui, effectivement, multicolore. Bon bah écoutez, je n'hésiterai pas à vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, en tout cas, voilà, simple et efficace, comme nous disons. Donc maintenant, on va passer à d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir avec Noël. Ça va plutôt être des choses à utilisation personnelle. Alors, je me suis acheté des brosses à dents, parce que ça sert toujours. En plus, il faut quand même changer sa brosse à dents régulièrement, d'accord? Tous les 3 mois, il est vrai que moi, je la change, parce que c'est ce qui est conseillé par les dentistes. Donc voilà, écoutez, j'en ai pris trois. Donc il y a diverses couleurs. Vous avez en small, vous avez en dur. Voilà, il y a vraiment toutes les catégories. Moi, j'ai pris plutôt en S. Donc je suis assez sensible des gencives. Donc écoutez, les trois brosses à dents, ça coûte 79 centimes. Donc 3 brosses à dents fois 3, je vous fais pas le calcul, ça fait 9 mois. Donc 79 centimes pour 3 mois de brosses à dents, je pense que là, on est plutôt pas mal aussi. Alors j'ai pensé à moi, je me suis acheté pas mal de petites choses, voilà, mais j'ai aussi pensé à mon poisson rouge. Oui, j'ai un poisson rouge, bah oui, ça peut faire rire certaines et certains. C'est un poisson rouge en fait que j'ai depuis maintenant 4 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça. Que j'avais gagné à la fête foraine à Strasbourg. Et apparemment, ces poissons sont censés ne pas tenir longtemps. Bah écoutez, moi, il tient toujours. Donc voilà, je lui ai acheté sa petite paillette pour manger. Et donc ça, en fait, eh bien écoutez, je vais vous dire ça de suite. Je l'ai acheté 98 centimes. Donc voilà, pour mon petit poisson. Il sera content, il aura de quoi manger. Il n'y a pas de raison que je ne pense pas à lui aussi. Alors je me suis également acheté un gel douche à 63 centimes. Et en fait, je l'ai senti déjà dans le magasin parce qu'ils avaient plusieurs parfums. Donc moi j'ai pris à la pomme. Donc pH neutre en plus, ça c'est parfait. Ah ouais, ça sent super bon en fait. Donc voilà, écoutez, ils ont toute une gamme de gels douche. La fraise, framboise, chocolat. Ben écoutez, moi j'ai pris à la pomme. Donc 63 centimes le gel douche. Et puis toujours dans la catégorie hygiène, eh bien je me suis acheté donc un shampoing Palmolive à la pêche. Donc il y a plusieurs senteurs également, il y a pas mal de parfums différents, c'est plutôt sympa. Par contre, ça sent mais super, mais alors vraiment super bon quoi. Ah ouais. Donc shampoing Palmolive qui en grande surface coûte quand même assez cher, je trouve personnellement, pour le maxi format. Donc là celui-ci il est à 1,65€. Voilà, donc 1,65€, le Palmolive. Bon ben voilà, écoutez, donc ce petit haul action est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était une première pour moi, j'avais jamais fait ça. Mais je trouve que c'est plutôt sympa de vous présenter ce que j'ai acheté. Comme ça, si ça peut vous aider, vous conseiller, ben écoutez, au moins j'aurais servi à quelque chose. Après, voilà, donc le ticket, je pense qu'on va le jeter. Hein, voilà, je vous ai énuméré les prix. Donc ben écoutez, n'hésitez surtout pas donc à aller aux Actions, donc à Strasbourg, dans la zone de Vandenheim, Lampertheim. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très vite. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, ou à l'inverse, me dire ce qui ne vous a pas plu. Ça pourrait éventuellement me servir pour une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.